après-midi à tous et bon match. Allez Younes, allez. Allez Younes. Allez, allez, j'arrive. Allez Loris. Allez Loris. Younes, t'es trop Younes. Younes, reste au milieu Younes. Bon joueur Nathan. Main. Prends pour Younes. Sacha. Bouge-là et avance un peu. Younes, reste à ta place, Younes. Jaï. Allez. Allez Younes, allez Younes. Allez Jaï, vas-y, vas-y, Jaï. Il va te la donner, Jaï. Vas-y, Jaï. Bien joué Loris. Allez Jaï, allez, allez, allez. Allez, lève la tête, Sacha. Voilà. Lève la tête, Loris. Allez, bien, bien. Ouais. Allez Younes, allez Younes. Ouais Younes. Ouais. Allez Loris, allez Loris. Allez, Jaï! Jaï, t'es là! Il a joué Nassim! Allez, Nathan, on va bien, on dégage! Allez, devant, devant, devant! Allez, Loris, allez, Loris! Allez, Nassim, allez, Nassim! Allez, encore! Voilà! Lève la tête! Adam, viens. C'est bien joué, Ivan. Alors, tu peux te présenter un petit peu pour Vie ma vie, ouais, c'est maman, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Jean-Philippe et je suis éducateur U9, 8-U9, ouais, c'est maman, depuis maintenant 2 ans. 2 ans ? Ouais.
D'accord. On a vu la dernière fois les 8-6-7. Donc là, on passe une catégorie au-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les U6-U7 et les U8-U9? Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle foot animation, en même terme, au même titre que les U10. Les U10 sont un championnat. Les U6-U7, c'est sous forme de plateau ou festifoot. Et là, on commence déjà à entrer dans du travail un peu plus technique, avec une évolution dans le jeu, exercice, des situations qu'on n'a pas chez les petits qui sont encore beaucoup dans le jeu, en fait. Donc c'est des joueurs qui attaquent leur troisième et quatrième année de foot, normalement, s'ils ont commencé leur cursus dès le début. D'accord. Est-ce que tu t'es toujours occupé de cette catégorie, ou au départ tu t'occupais des plus petits? Au départ, avec JB et Greg, on a un petit peu pris la totalité des enfants, parce qu'on devait restructurer un peu l'école de foot. Et alors, étant donné qu'on a eu énormément d'enfants, on a fait ce que font les clubs en général, c'est-à-dire séparer les 6-7 des 8-9. Et donc j'ai pris en charge avec JB 8-9 et Greg a pris avec Thomas les 6-7. D'accord. Donc je suis toujours resté sur cette catégorie, même si tout autour j'ai un petit coup de main sur les petits. D'accord. Est-ce que tu peux me donner les qualités d'un bon éducateur pour cette catégorie, s'il te plaît? Pour cette catégorie, être à l'écoute déjà. Il faut savoir qu'on est dans le plaisir de jouer, il n'y a pas de tactique, il y a un positionnement, on essaie de mettre en place, mais on est avant tout dans les laisser jouer, les orienter quand on a besoin. Et de les rassurer aussi. Les rassurer, exactement, mais on n'est pas dans il n'y a pas de recherche de résultats, on est dans une recherche de contenu plutôt, tu vois. D'accord. Ça c'est les éducateurs, mais on a l'impression que parfois entre les parents ça chauffe un petit peu, non? Les parents, pour certains, c'est aussi leur première année de sport, c'est-à-dire que c'est la première fois pour eux qu'ils emmènent un enfant au sport. Donc, beaucoup ne savent pas comment se comporter. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une charte des parents, où voilà, faut qu'ils sachent exactement à quelle place ils doivent être. Et leur rôle aussi, parce qu'ils ont un rôle à jouer. Hein. Faut pas croire, c'est des gens qui nous aident aussi à les emmener le week-end, qui nous aidaient à les habiller maintenant. On est rentré dans ce qu'on appelle le programme éducatif fédéral, donc les enfants doivent se prendre en charge eux-mêmes, donc on les aide aussi. Mais tout ce qui est habillé dans les vestiaires, même faire ses chaussures, faire ses lacets, les parents ne rentrent plus. D'accord, ça c'est la fédération qui demande ça. Donc c'est la Fédération française de foot qui a mis ce programme en place. Le FC Morvan est rentré dans ce programme. Et donc depuis cette année, tous les mois, on a une étape à franchir. Le mois dernier, c'était par exemple dire bonjour en arrivant. C'est quelque chose de simple, mais en même temps, chez les petits, ça ne rentre pas forcément naturellement. Et aussi, comment faire son sac. Comment. Responsabiliser, en fait. Hein. Responsabiliser, voilà, exactement. Nous, on est à cheval là-dessus. Hein. D'accord. Parce que faut savoir que le sport en général, et le foot pour nous, ça fait partie un peu du triangle de l'éducation, au même titre que les parents, l'école. À un degré moindre, mais on aide aussi à l'éducation des enfants. D'où le nom d'éducateur. Le nom d'éducateur, voilà. C'est que dans cette catégorie, il y a un problème, c'est qu'il, enfin, c'est mon avis, c'est qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui sont entraîneurs et pas éducateurs. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'ils coachent, alors que là, on n'est pas là pour coacher, on est là pour éduquer les enfants. On est dans une école de foot, et dans une école, on apprend à jouer au foot. On est coach, tout simplement. Tout à fait d'accord. Comment ça s'est passé aujourd'hui le tournoi? Oh, bon, c'est anecdotique, mais bon, niveau résultat, ça a été? Résultat, ça a été, on a pas perdu l'équipe 1, on a perdu aucun match. Ouais. L'équipe 2, je crois, a eu un petit peu de mal, mais il manquait un joueur, donc ils ont eu du mal à finir le plateau. L'équipe 3 et 4 aussi ont été des résultats positifs, mais on n'attache pas d'importance au résultat. C'est anecdotique. C'est voilà, le contenu avant tout. Bien sûr. Après, les enfants sont contents de dire qu'ils ont gagné tel ou tel match. Ça reste des enfants. Et au niveau des éducateurs qui sont avec toi, donc il y a Cédric et... Il y a Cédric, Achille, qui nous a rejoint en début d'année. Achille, lui, qui avait commencé l'année dernière à rentrer un petit peu dans le groupe et qui, cette année, s'occupe des U8. Ils ont les qualités requises pour être éducateur pour toi? Ils ont les qualités requises. Je pense qu'ils ont besoin un petit peu qu'on les oriente. Comme moi, j'ai eu besoin à un certain moment et comme certains ont eu besoin à un certain moment. Voilà, savoir se remettre en question aussi, c'est voilà, important. Exactement. Et puis, voilà, c'est difficile d'éduquer, on va dire. Surtout quand on aime le foot, on a tendance justement à coacher. Oui, tout à fait. Il faut,
Faut trouver juste le milieu. Qui est difficile à assimiler, qui prend un peu de temps, mais qui au final, si on les a choisis, c'est qu'on estime qu'ils. Voilà, ça n'a pas été faux. Ils ont la capacité pour être éducateurs. D'où l'intérêt d'avoir le label qualité école de foot. Je pense que le club l'a bien mérité. Je pense qu'il l'a mérité avec le travail qu'on a fourni. Il l'a, je pense, largement mérité. Ben maintenant, c'est... l'année la plus compliquée, c'est celle qui arrive, puisqu'il faut confirmer ouais. ce qu'on a fait. Mais le chemin, voilà, ça en prend le chemin en fait. Pour l'instant, ça en prend le chemin. Ça, le chemin, pour l'instant, est bien tracé, on va dire, j'espère pour longtemps. Ben Jean-Philippe, je te remercie beaucoup. Merci. On aura l'occasion de se revoir dans l'année. D'accord, parce que pour d'autres plateaux, pour d'autres grands formats. En tout cas, je te remercie, je te dis à bientôt. À bientôt.